Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site Etidia, etidia.com. Je vais vous parler de SAP, donc la célèbre valeur allemande qui, donc c'est la construction de logiciels informatiques, le numéro un mondial du logiciel de gestion. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Vous voyez qu'elle elle est très cyclique, hein, elle remue énormément, donc c'est une valeur de croissance. Elle a bien travaillé ces 10 dernières années, c'est une bonne fille, mais forcément, comme toutes les valeurs en bourse, il y a des hauts, il y a des bas. Et là, nous avons touché une sorte de plancher et on peut dire qu'il y a un range. Voilà. Donc l'idée là, c'est qu'elle est en train de se remettre de ses émotions. L'idée, c'est d'exploiter évidemment le rebond. On ne va pas aller très loin dans le rebond, mais ça peut être intéressant quand même. Moi, je dirais qu'il faudrait qu'on s'arrête à peu près là. Voilà, ce serait plutôt pas mal. On prend 20% et on se barre. Et concernant le stop, on pourrait le mettre à 7,84% en dessous de l'achat. Ça pourrait faire un aller-retour assez sympathique. Voilà, c'était Stan pour le site Etidia et Etidia.com.